livre d'Agé, le premier chapitre d'Agé, on va commencer par le premier verset. Livre d'Agé, premier chapitre et le premier verset. Il est écrit que la seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et Josué, fils de Josadac. Gouverneur de Juda et fils de Josadac, souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à cage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne. Apportez du bois et bâtissez la maison. Et j'en aurai de la joie et j'aurai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais c'est joufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, « D'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Le 24e jour du sixième mois, la seconde année du roi Darius. Et là, chapitre 2. Le 21e jour du septième mois, la parole de l'Éternel se révèle à Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur, et le reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadac, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaille. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'éprendrai les cieux et la terre, la mer et le sec.
Je prendrai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Voilà, c'était la lecture un peu dans le livre d'Agé. Et comme vous avez vu, c'est la prophète Agé qui a pris la parole de Dieu. Et dans ce passage, on est amené au royaume de Mède et de Perse. Donc il y a presque 2500 ans. Et où le peuple de Dieu était déporté pour une période de 70 ans à cause de leur désobéissance répétée. Et Dieu les a punis, Dieu les a corrigés. Il les avait envoyés pour 70 ans. C'est une correction limitée. Il y avait des limites bien précises. Il y avait 70 ans et ces 70 ans étaient écoulés dans ce passage. Et le roi païen qui s'appelle Syrie, il les avait envoyés retourner dans leur pays. Il les avait fournis avec l'argent et l'or pour construire le fondement du temple. Et là, dans ce passage, le travail était arrêté depuis 15 ans. Et ils ont commencé à se détourner de cette premier engagement parce qu'il y a eu des problèmes, il y avait des persécutions, il y avait des menaces sur le constructeur, sur le travail. Et ils ont eu peur, et voilà, tout simplement, ils se sont tournés vers leur propre maison. Ils ont commencé à regarder, construire leur propre maison parce que c'était plus facile, c'était impossible, ces conditions étaient difficiles de continuer. Ils étaient dans un confinement, on était coincés dans nos maisons, c'était compliqué de travailler. Mais ces années de 70 ans, c'était plus la punition de Dieu, mais c'était justement la condition qu'il fallait continuer, qu'il fallait assumer, qu'il fallait reprendre les travaux. Et le peuple, il avait le droit de retourner à Jérusalem, retourner dans cette ville qui était en ruine. Et il y avait Esdras, Josué, Néhémie, Zorobabel et les hommes de Dieu qui ont mené ce projet. Et c'était étonnant, mais très peu de gens voulaient retourner du Mède et du Perse, du Babylonie. Ils voulaient plutôt rester dans le pays et ils ne voulaient plus prendre leur patrie, le pays de Canaan, le pays qui était promis par Dieu. Ils ont préféré de rester à Babylone parce que c'était plus facile. Ils étaient fournis, il y avait toutes les provisions. Israël, c'était un pays qui était détruit par Nebuchadnezzar. Il n'y avait plus rien. Jérusalem était en ruine. Il n'y avait plus de temple. C'était profané et détruit. Mais certaines personnes, quand ils ont eu la permission de Cyrus, roi de Perse, ils ont voulu retourner. Ensemble, il y avait à peu près 50 000 personnes qui voulaient retourner au pays d'Israël. Et ceux qui sont retournés avaient un souci particulier, un souci pour le temple, souci pour le culte, souci pour l'adoration, souci pour le service de Dieu. On pourrait dire que c'était des gens qui croyaient, des gens qui avaient une foi à Dieu d'Israël. Et en plus, le roi païen avait pourvu toutes sortes pour le fondement du temple. Le reste qui sont restés à Babylone, ils ont plutôt aimé ce pays étranger et ils ont resté là. Mais cette parole est adressée à ceux qui sont partis de Babylone, ceux qui se sont installés dans le pays d'Israël, ceux qui avaient un cœur pour Dieu, un cœur pour le royaume de Dieu, un cœur pour le travail de Dieu, un cœur pour l'adoration, pour un culte, leur lieu de culte. Et ils ont quitté leur confort matériel babylonien pour s'installer, de nouveau s'installer à Israël. Et au retour, ils ont trouvé la ville en ruine et ils ont commencé à construire. Mais le peuple qui a reçu les paroles prophétiques, voilà, ce sont les gens qui avaient le cœur pour l'œuvre de Dieu. Et Agé est un prophète qui était peu connu. On ne le connaissait pas avant. Il n'avait pas une autorité prophétique, il n'avait pas un ministère prophétique.
On pourrait dire que pourquoi il voulait les écouter, pourquoi il aurait dû être écouté. Et c'était bizarre le peuple l'ont écouté quand même. Et ce n'était pas un prophète connu, mais qui était un homme d'occasion, un homme de temps que Dieu avait. Dieu s'est utilisé pour parler à son peuple. Et quand le peuple qui a reçu les paroles prophétiques est dans cette situation un peu spéciale, particulière, un nouveau départ, on leur avait permis de retourner à Israël, recommencer à célébrer l'Éternel et commencer à mettre en application la loi d'Israël. Et ils auraient voulu une parole très particulière, une parole très particulière, spéciale pour cette occasion. Mais la parole que Agé a prononcée, c'était une parole banale, une parole qui était vraiment, il n'y avait rien de particulier. Il a dit que travailler, travailler, travailler. Et peut-être Dieu veut nous parler aussi aujourd'hui qu'il n'a pas quelque chose de communicant. Il avait déjà fourni pour le fondement. Aujourd'hui, Dieu a fourni pour le fondement du travail de l'Église. Il a fait mourir Jésus-Christ et il a envoyé des apôtres et des prophètes. L'Évangile a progressé. Mais des fois, dans nos vies, dans nos églises, il y a un arrêt. Il y a un arrêt comme aujourd'hui, il y a un arrêt. Là, ils ont eu un arrêt de 15 ans. Nous n'avons pas un arrêt de 15 ans. Mais il fallait déjà projeter dans l'avenir. Eux aussi, avant de pouvoir projeter à l'avenir, il fallait recevoir une parole de Dieu. Il fallait que l'Esprit de Dieu saisisse un homme. Et il faut que l'Esprit de Dieu descende et se manifeste par un don prophétique. Et pour que le peuple de Dieu puisse avoir une direction, il puisse avoir une pensée de Dieu, puisse reprendre le courage et remettre en œuvre et pour faire un nouveau départ. Et ce départ a été fait justement initialement par l'Esprit de Dieu qui a saisi le prophète Agé qui n'était pas bien connu, qui était mal connu. Mais la parole de Dieu a eu un effet, un puissant effet. Ils ont dit que le peuple de Dieu il s'était réveillé. Et c'est un réveil de travail, réveil de travail. Et ils ont mis tous à travailler et Dieu les a convaincus. Il a dit que je serai avec vous quand vous commencez à travailler. Il a dit que arrêtez de penser seulement à vous, votre vie, votre sécurité, votre maison. Pensez à l'œuvre de Dieu. Je serai avec vous et je serai glorifié parmi vous. Et ils ont commencé à nouveau, continuer depuis le fondement du nouveau temple. Et ce temple qui était arrêté par la persécution du peuple du pays qui était présent. Et donc, à un moment, ils étaient sans pouvoir procéder, et quand c'était difficile de travailler pour la maison de Dieu. Mais ils ont commencé à travailler de nouveau quand ce travail qu'ils avaient négligé, ils avaient tourné vers eux-mêmes. Leur vie était tournée vers l'intérieur. Ils avaient pensé que leur propre sécurité était de nouveau. Mais la parole de Dieu les a encore bousculés, les a visités. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je dis, que voilà, on tient un temps ou un petit arrêt dans l'œuvre de Dieu. Mais pourtant, l'œuvre de Dieu doit continuer. Le fondement a été posé. Et nous allons tous croire qu'on est convaincus qu'on veut continuer à travailler l'œuvre de Dieu. Un jour, les portes s'ouvriront et on va nous préparer pour cette nouvelle ouverture. On va se mettre à l'œuvre. On va donner des moyens pour que cette œuvre puisse continuer. Et Dieu, comme il a suscité à l'époque une voix prophétique, celle d'Agé, et aussi un autre prophète qui s'appelle Zacharie. Et l'Esprit de Dieu a parlé. Et le peuple peut-être attendait une parole nouvelle, actuelle, une vision nouvelle, même bouleversante. Mais non, il a reçu tout simplement une parole travaillée. Mettez-vous en œuvre et je vous glorifierai parmi vous. Et l'Esprit de Dieu a suscité un réveil car le peuple, il a entendu la parole. Et ils ont mis la parole en application. On peut bien écouter les paroles, comme Jésus a dit que le travailleur, peu chasse, insensé, ils écoutent les paroles, mais ils ne mettent pas en application. Mais ces travailleurs, dirigés par Zorobabel, ils étaient des travailleurs sages et intelligents. Ils ont mis la parole qu'ils ont reçue en œuvre, en application, et ils ont été bénis par conséquence. Et un homme âgé, presque inconnu, a osé parler de la part du Seigneur et interpréter courageusement les événements. Il dit que pourquoi c'est arrivé? Parce qu'on a négligé l'œuvre de Dieu. Et osons-nous parler aujourd'hui avec courage? Est-ce que dans notre société, on a négligé
les lois du Seigneur. On a négligé le nom de Jésus. On a négligé cet évangile qu'on a connu depuis 2000 ans dans notre pays, dans notre continent. Est-ce qu'on avait le courage, comme Haché, de parler et pourquoi il y a certaines raisons? Est-ce que Dieu veut, voilà, être interpellé? Dieu veut interpeller le peuple. Et donc aujourd'hui, et aujourd'hui, nous appeler le peuple à la repentance, comme on a fait Haché. Proverbe dit que la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Et cette parole, il reste toujours vrai. Le péché restera toujours une honte pour le peuple. Et donc, le peuple qui a entendu le message a sous-estimé le nouveau temps quand ils ont voyé, quand ils ont vu l'œuvre d'avancer. Quand ils ont vu l'œuvre d'avancer, ils ont vu la petitesse du nouveau temple. Et ce n'était pas tellement impressionnant qu'avant, au temps de Salomon. Il était magnifique. La gloire de Dieu est descendue sous la forme d'une nuée sous le temple. Et on ne voyait aucune pareille manifestation en construisant ce nouveau temple. Et il restait apparemment plus petit aussi. Et donc, ils étaient découragés. Et certains peuples qu'on a lus, ils ont pleuré. Ils ont voyé que c'était comme rien par rapport à l'ancien temple. Mais Haché, il a su les encourager, ce peuple. Il a dit que pourtant, ce nouveau temple sera plus glorieux que l'ancien. Et traduction, verset 7, on a lu chapitre 2, livre d'Agé, chapitre 2, verset 7. Je prendrai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison. Mais pourtant, on n'a aucun signalement dans la parole de Dieu que cette maison était remplie de gloire de Dieu. C'est vrai que le peuple a travaillé et ils se sont remis à travail et le temple est resté plus petit, mais on ne voit pas un signalement que la gloire soit remplie. Mais il a dit que la parole de Dieu dit que se remplir, ça mènerait les trésors des nations. Il y a un homme qui s'appelle Jérôme dans l'histoire de l'Église, il a traduit la Bible en latin. Le quatrième siècle, il s'appelle Jérôme. Il a créé une traduction qui s'appelle Vulgate. Et la Vulgate traduction, comme beaucoup d'autres, il ne traduit pas les trésors des nations, mais il traduit le désir des nations, singulière, le désir des nations. Et c'est qui le désir des nations? Celui qui bénira toutes les nations, c'est le Messie. Et c'est vrai que celui qui est entré dans ce nouveau temple, qui n'était pas tellement magnifique que le temple de Salomon, et cet désir de nation qui s'appelle Jésus. Cinq siècles plus tard, cet temple, il était déjà profané, mais il a été repris par Hérode. Il a été élargi et Jésus, il est entré dans ce temple. Il a chassé les vendeurs. Il a purifié ce temple. Il est entré en personne, le Fils de Dieu entre en personne dans ce temple. Et Dieu dit que je remplirai de gloire cette maison et dans ce lieu que j'emmènerai la paix. Et ce qui est le prince de la paix, c'est Jésus. Quand Jésus entre dans un lieu, la paix entre dans un lieu. Et Jésus, le prince de la paix, est entré dans ce temple. Dans l'ancien temple Salomon, qui devait être plus magnifique, plus glorieux, Dieu a descendu sous la forme d'une nuée. C'est une image, il était dans la nuée. Mais en personne, il n'est pas descendu. Mais dans le nouveau temple dont il est question, Dieu est descendu, Dieu est entré dans la personne de Jésus-Christ. Et là, la paix est entrée dans cette maison. Ils ont vu l'accomplissement de la prophétie messianique, tous les accomplissements, toutes les prophéties messianiques. Ce temple a vu l'accomplissement, la gloire de Dieu, le Messie, le désir des nations est entré dans cette... Et donc, ce travail avait une importance primaire dans le projet de Dieu. Et comme dans tout le travail de Dieu, il y a une importance primaire, chaque temps, comme nous, dans notre temps, il y a un temps important pour travailler pour Dieu, parce que Dieu a un projet pour chaque génération. Pour cette génération, Dieu voulait avancer ce temple, ce deuxième temple où le Fils de Dieu devait entrer en personne. Et ce temple dont la construction a été prise par Hérode, Jésus, le Fils de Dieu, est entré en personne et il a nettoyé, comme l'évangile de Jean dit, des vendeurs.
Et donc, ce bâtiment joue un rôle important dans le plan de Dieu, même si les Romains l'ont détruit dans l'année 70 après Jésus-Christ. Parce qu'on n'avait plus besoin de ce temple. Parce que Jésus, quand il est descendu sur notre terre, il a posé le fondement pour un nouveau temple. Et ce nouveau temple, le troisième temple, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est ton corps, ta vie est un temple du Saint-Esprit. Nous ensemble, en tant que l'Église de Jésus-Christ, nous sommes le troisième temple, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Jésus a posé le fondement, il a versé son sang, il a fait une nouvelle alliance sur la croix et il a posé la fondation. Et un fondement, il a envoyé des apôtres. Et un beau fondement a été posé sur quoi nous pouvons travailler, sur quoi nous pouvons reprendre le travail, continuer à accomplir l'œuvre de Dieu pour qu'il s'accomplisse. Pour que ce temple soit préparé, pour que l'édifice de Dieu soit complet. Et puis, Jésus dit, selon ses paroles, et puis il viendra. Jésus, quand cet évangile du royaume de Dieu sera prêché dans le monde entier, alors viendra la fin. Et la fin sera marquée par la venue de Jésus-Christ. Il fallait donc sortir de leur confort pour préparer le temple. Au temps d'Achée, il fallait sortir de leur confort pour travailler le temple et terminer la construction dont le fondement était déjà posé. Et aujourd'hui, Dieu appelle son peuple, allez et construisez. Finissez la maison de Dieu dont le fondement a été posé par Jésus-Christ. Dieu a pourvu et les apôtres ont continué de construire le temple du Saint-Esprit qui est l'Église de Jésus-Christ. Mettez l'intérêt de la maison de Dieu au-dessus de vos intérêts personnels et je vous bénirai en abondance, dit la parole de Dieu. C'est le message d'Achée pour l'Église aujourd'hui. Et qu'est-ce qui a déclenché la construction? Vous pouvez poser la question. L'onction du Saint-Esprit qui a saisi le prophète. Aujourd'hui, il n'existe pas un moyen différent pour déclencher la construction. Se laisser saisir par l'Esprit de Dieu. Et je trouverai la force, les capacités, les motivations, les dons, les pouvoirs qui viennent de Dieu. On m'a dit, un vieux pasteur m'a expliqué que dans son enfance, il avait l'habitude d'aller avec sa maman dans une lingerie, où on fait sécher les linges, et pour repasser les nappes et les draps par une essoreuse au rouleau, un repasseur essoreuse, une grande machine au rouleau, qu'on tourne à la manivelle, pour le sécher, pour repasser des grands tissus comme les draps et les nappes. Et il fallait tourner à la manivelle pour les repasser, ces linges. Et un jour, quand ils sont rentrés dans le magasin, tout était changé, tout était renouvelé. Il n'y avait plus de manivelle. Et par contre, il y avait un interrupteur qu'il fallait tourner. Et maman lui a demandé de tourner le bouton, tout simplement, l'interrupteur. Et le petit garçon, il avait peur. Mais comment, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer quand il va tourner ce bouton? La tournée va être incontrôlée. Je ne peux plus le contrôler. Comme manivelle, tu peux tout contrôler. Tu peux tourner la manivelle et tu peux contrôler la vitesse, tu peux contrôler tout. Mais après le bouton, ça part dehors de mon contrôle. Ça va faire tout le système en mouvement. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne contrôle plus rien. Et il essayait de tourner doucement. Et il n'osait pas amener jusqu'au bout de son entreprise. Et maman a encouragé que vas-y, tu peux y aller, tourne, il faut le faire pour me faire repasser et ressortir nos linges, nos draps. Et au premier essai, ça ne marchait pas. Le garçon avait peur. Il tournait le bouton qui aurait mis tous les rouleaux en route. Et donc la maman a dû l'exhorter en disant que tu n'avais que cela à faire pour faire le travail. Et enfin, le petit garçon, il a tourné le bouton. Et tous les rouleaux se mettaient en mouvement. Et le travail se faisait avec facilité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut penser dans le travail de l'Église, on ne vit plus une saison de manivelle. Aujourd'hui, on vit d'une saison de l'Esprit. Que l'Esprit de Dieu va faire œuvre à travers nous. Il faut laisser le contrôle. Et on voit que manivelle, le petit garçon, quand il a tourné le bouton, le machine ne s'est pas sauté sur le garçon. Non, il a fait son boulot, mais il fallait oser quand même le mettre en route. Et donc, Achée et Zacharie
son contemporain, ils voyaient notre temps de loin. Zacharie, quand il a encouragé les constructeurs, il nous a aussi livré une parole. Il a dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, le Seigneur des armées. Il voyait déjà la prochaine construction, la construction du troisième temple, construction de l'église, construction de l'édifice de Dieu, l'édifice qui se ferait des pierres vivantes, qui est toi et moi. Et cette nouvelle construction se ferait ni par la force, ni par la puissance, ni par la manivelle, mais par mon esprit, dit le Seigneur, par une puissance électrique, une puissance qui venait du Saint-Esprit. Et donc la construction du temple du Saint-Esprit se ferait aussi par la puissance du Saint-Esprit. Mais qui oserait tourner le bouton? Est-ce que ça va départir de mon contrôle? Qu'est-ce que je vais faire? Qui mettrait tout un système en tournure et avec les prix effrayants? Mais Dieu a mis dans tes mains un bouton. Comme ce petit garçon, il a mis et il a dit que soyez remplis du Saint-Esprit. C'est un ordre. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et Jésus a dit que si votre papa s'est donné les bonnes choses à vous, à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnerait le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Il y a un bouton dans ta main. Tu peux demander, tu peux recevoir. Comme il a dit l'apôtre, soyez remplis du Saint-Esprit. Et vous verrez le travail se terminer. Mais des fois, c'est vrai, on préfère de tourner la manivelle. Mais avec saison où nous vivons maintenant, on voit que la manivelle s'est arrêtée. On ne peut plus tourner la manivelle, c'est fini. On est tous chez nous et on a ici pour chacun pour poser des questions. Mais comment je veux repartir? Est-ce que je commence à tourner la manivelle vers une action, un fonctionnement forcé, ou est-ce que je laisse le Saint-Esprit me saisir? Est-ce que je veux travailler à la manière de Dieu? Et Jésus nous a envoyés non pas pour témoigner. Jésus ne nous a pas envoyés pour témoigner. Il nous a envoyés pour être un témoin. Vous voyez quelle est la différence entre un témoignage et témoigner. On peut faire une action. Je veux parler en son nom, je veux témoigner de Jésus. Ce qui est déjà bien. Je veux confesser ce nom. Mais pour être un témoin, il faut être comme Jésus. Il faut avoir la même onction que Jésus. Il faut recevoir le Saint-Esprit pour être différent. Pas uniquement faire. Après, on peut parler aussi. On peut parler quand on est différent. Les disciples ont attendu dans les empreintes, mais non pas pour faire, mais pour devenir. D'abord, pour devenir, pour être rempli du Saint-Esprit, pour être comme Jésus, être un comme Jésus. Et la différence, c'est vrai, on peut parler en son nom sans être revêtu de la puissance d'en haut. Et on ne peut être un témoin sans la plénitude du Saint-Esprit. On ne peut construire le troisième temple, le temple du Saint-Esprit, sans le baptême du Saint-Esprit. Et se pose encore la question, mais qui oserait tourner le bouton, comme ce petit garçon, pour libérer la puissance, pour libérer le mouvement? Vous savez, dans la traduction grecque, la puissance du Saint-Esprit, souvent, elle est marquée dynamis, dynamis. Et bien avant que dynamite était inventé, il était déjà dans la Bible, dynamis. Il y avait une puissance, il y avait une énergie, la puissance. Des fois, on traite la personne du Saint-Esprit comme nous, on traite le dynamite. On a un paquet de dynamite dans notre main. On le traite avec grande délicatesse pour qu'il ne s'explose pas, pour qu'il reste dans nos mains tranquille. Et nous, utilisons la personne du Saint-Esprit de même façon. Nous voulons être très prudents, qu'il ne s'explose pas, qu'on ne perd pas notre contrôle, mais qu'il puisse vraiment rester comme on veut, tranquille. C'est un petit paquet de dynamite. Mais le dynamite a été créé pour qu'il s'explose. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Le dynamite n'a pas été fait pour mettre dans un placard ou pour garder. Le dynamite, ça a été construit pour qu'il s'explose. Et puis, ça puisse libérer sa puissance et faire des œuvres. Quand il est bien maîtrisé, il fait une œuvre efficace. Le dynamite. Et donc, le Saint-Esprit, il veut aussi faire une œuvre efficace. Mais comment nous voulons le traiter? Est-ce que nous voulons essayer de le maîtriser, le garder avec un tel contrôle, avec une telle délicatesse qu'il ne s'explose pas? Jésus, qui nous a envoyé son Saint-Esprit, il a pensé différemment. Il a dit que je suis venu
allumer, je suis venu allumer un feu sur la terre. Et combien je désire que ce feu soit déjà allumé. Et souvent, quand on parle du feu, on parle aussi du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut faire une œuvre efficace et puissante. Mais que qui oserait appuyer sur le bouton, tourner le bouton pour qu'il puisse faire son œuvre en moi et en toi et en nous ensemble pour que l'œuvre de Dieu se termine, pour que l'Évangile avance, pour que les âmes soient sauvées, pour que son Église soit édifiée. L'apôtre dit que soyez remplis du Saint-Esprit. Seigneur, merci encore pour ce temps que nous avons pu partager ta parole, Seigneur Jésus. Et nous voulons, Seigneur, comme âgés, être saisis par ton esprit. Nous voulons âgés, être saisis de l'onction, Jésus, afin que le travail puisse avancer, Seigneur Jésus. Merci, Jésus, que tu es ce Dieu fidèle qui a fait bel et bien, Seigneur, ton œuvre. Tu as commencé, tu as posé le fondement. Des fois, tu nous mets à l'arrêt, Jésus, avant que nous puissions regarder à l'avant, que nous puissions être saisis de l'esprit. Et comment que ton esprit puisse encore tout le contrôle dans nos vies, Seigneur Jésus. Moi, je veux te dire, mon Dieu, mon Saint-Esprit, je veux te laisser faire, je veux laisser saisir de toi, Jésus, avant que l'œuvre à Dieu l'avance, Jésus. Merci encore cet instant. Bénis mon frère, ma soeur, Seigneur Jésus. Que nous tous ensemble, Seigneur Jésus, nous sommes en avant toi, Jésus. Bénis-nous, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Pour laisser remplir de toi, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à ton nom, Jésus.